Ay jagaay ñoo ngi leen di nuyu di leen wax ni on est de retour ici au stade Ngalandou Diouf di leen jéggelu match passé dañoo amone ay souci technique lolo waroloon match contre MPC bu jëw ñu ko won tek mais bo leen xolé defal nañ leen résumé bi tay nak dañuy deugmal 16e de finale Coupe du Sénégal entre Tengue FC ak équipe bi di AS Saloum équipe nationale tay wara jakarlo ak Tengue FC bu nek Ligue 1 8e de Ligue 1 après 3 victoires consécutives notamment sur Dakar Sacré-Cœur en Coupe du Sénégal contre Dagana 5-0 et la semaine dernière contre Mbour Petite Côte 3-1. Aujourd'hui, nous sommes là et nous vous retrouvons pour ce match. Content pour les 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Le Tengue FC composé de Baye Hassane 6 dans les buts. Il y a Cheikh Bambakan qui aujourd'hui retrouve le poste de titulaire. Il y a aussi Malik Ndoye dans la défense, Mohamed Savané est au milieu de terrain.
ça c'est la compo des Rufus quoi, avec Ousseynou Boy qui avait marqué un but exceptionnel dont vous avez vu dans le résumé. Il y a Mamoudou Seck, Elhaji Moutarou Baldé, Paul Valère Bassen, Ousmane Diouf, Pape Mamoudou Sow et Cheikh Tidiane Sidibé. Le match ne va pas tarder à démarrer entre les deux équipes. Et c'est l'AS Saloum qui va lancer les hostilités. L'AS Saloum est composé aujourd'hui avec... Et on va observer cette action récupérée par la défense des Saloum Saloum qui vont jouer sur le côté gauche avec la récupération rapide des Verts. Aïe gars, moi qui nous tenguez FC, Aïe Saloum, Nyongi Diamarlo. Pour le moment, le score est de 0 but partout entre les deux équipes. Et c'est toujours Cheikh Tidiane Sidibé qui va récupérer. Cheikh Tidiane Sidibé. Pape Mamoudou Sow à la baguette avec qui Ahmadou Bambakane. Ahmadou Bambakane. Et c'est Mohamed Sawané qui va récupérer cette balle. Sawané qui va jouer avec Bamba. Bamba avec Sawané. Sawané qui se bat mais qui perd la balle. Récupérée toujours par l'équipe de Saloum. Aïtche wa Saloum ñogi nonu parce que AS Saloum Abdoulaye Diakhaté mo nek ci case Ibra Ndiaye mo sol numéro 4 bi Omar Thior numéro 7 Bou Diouf numéro 10 Mohamed Wilan numéro 15 Serigne Sadio Mbaye c'est le numéro 6 Lamine Sagna le numéro 18 Elhaji Malick Sane le 12 Youssouf Badji c'est le numéro 5 Serigne Salou Sonko et Mohamed Tian compose l'équipe de cette équipe de l'AS Saloum. Aïcha Mongi Nonou Gaï, AS Saloum, son entraîneur, moi Moustapha Seck. Moustapha Seck nak xam ngeen ko. Il a fait les beaux jours de cette équipe du Tengue FC. Moustapha Seck. Un coach réputé de bien connaître les divisions inférieures et qui est là avec l'AS Saloum. Ballon récupéré par Mamoudou Seck. Mamoudou Seck, que va-t-il faire? Il va dégager et c'est une sortie en 5m50 pour les Rufiscois. Zéro but partout entre le Tengue FC et l'AS Saloum dans ce début de match. Et c'est Papi Boy qui va glisser sur Valère, mais le ballon a été intercepté, récupéré par c'est Ahmadou Bambakane et c'est la défense de l'équipe du Saloum. Aïcha Mongi Nonou Malick Ndoy moy récupéré Jokhan par Mamoudou Sow qui va jouer avec Mohamed Sawané. Sawané qui joue avec Seck Mamoudou. Mamoudou derrière. La passe a été un peu courte. Et il y avait dans les parages Mohamed Wilan. Et la récupération de Cheikh Tidiane Sidibé. Cheikh Tidiane Sidibé qui va jouer avec qui? Il va lober. Ah là là, le lob qui ne passe pas de Cheikh Tidiane Sidibé.
Heureusement pour les Saloum Saloum. Saloum Saloumier. Qui vont se dégager avec Abdoulaye Diakhaté. Abdoulaye Diakhaté. C'est le gardien de cette équipe de l'AS Saloum. Équipe qui évolue en National 1. Dans ses 16e de finale de la Coupe du Sénégal affronte cette équipe du Tengue FC qui sort sur 3 victoires de rang après une Coupe du Sénégal après les 32e de Coupe du Sénégal remportée haut la main face à l'AS Dagana à Saint-Louis sur le score de 5-0. Après, le Tengue FC avait précédemment battu le Dakar Sacré-Cœur à Pékin sur le score de 2-1. Aujourd'hui, ils sont là pour chercher une quatrième victoire avec Ahmadou Bambakan qui est au four et au moulin, le numéro 3. Bamba qui crochet, l'enroule. Mais avec une défense des Saloum Saloum qui vont récupérer. Et c'est Ousmane Diouf, non, Valère. Valère qui était venu s'occuper des tâches défensives pour Valère Bassène, le meilleur buteur du club. Et le troisième meilleur buteur de la Ligue 1 après Bouli Junior Sambou et Ngagne Fall, Paul Valère Bassène actuellement et à 9 buts. 9 buts marqués depuis le début de la saison. Paul Valère. Paul Valère qui avait marqué un doublé. Un doublé face à on bout petite côte. Ay jagaay ñongi nonu ngeen ñëwaat ci commentaire parce que tay on est de retour après une journée une journée qu'on a manqué ay réno manqué journée nak ngeen ñuy woyé fune kérok mom djéggelu rek lañ leen mënon def parce que franchement dara bëggul won dox parfois affaire day ñëw né du dox mais tay ji on est revenu à de meilleurs sentiments à un meilleur direct malgré que pay ñoo ngi nekk fi di alu di jaar ci caméra yi et on va reprendre le jeu avec Diakhaté de l'AS Saloum qui va relancer cette partie de l'autre côté récupérer partie toujours par l'AS Saloum qui vont jouer. Aïcha Moginano. Pas Saloum avec leur capitaine Ibrahim Diaye. Vont relancer, récupéré par Elhadji Moutarou Baldé. Elhadji Moutarou Baldé. Il va jouer sur ce coup. Et c'est une récupération de Ousmane Diouf, le Antonio Rudiger de cette équipe du Tengue FC. Et Aïcha Baye, Hassan 6 à la relance pour le Tengue FC sur qui Ousseynou Boy devancé par Ibrahim Diaye, le capitaine de l'AS Saloum. Aïcha Gaye, yéna ngi nonu. Ñom Cheikh Niang ñoo ngi nek bureau sétan match bi. Wa tay mo dina xaw difficile mais leen ngeen wacce inshallah. Ñom Binta Gueye wa AS Pikin. Ñoo leen di nuyu. Et c'est une faute récupérée par Paul Valère Bassène. Paul Valère, le valeureux. Paul Valère, le meilleur buteur du club cette saison avec 9 buts en championnat. Il avait marqué un coup du Sénégal contre Dagana aussi. Il est dans une saison de rêve, une bonne saison de Paul Valère Bassène, l'international U20. Est actuellement convoqué avec l'équipe locale nationale du Sénégal, Paul Valère. Paul Valère, l'ancien joueur du CNEPS Excellence de Thiès,
et qui fait le bonheur des Refusquois cette saison. Avec 9 buts marqués, il est le meilleur joueur, le meilleur attaquant. Gutengedjef, c'est le capitaine Elhadji Moutarou Baldé qui va se charger de ce coup franc. Non, c'est Sidi B. Hey, le ballon a été retombé. Cheikh Tidiane Sidi B. Cheikh Tidiane Sidi B qui avait bien botté le ballon. Mais malheureusement, ça frappe. N'est pas retombé dans les cages de Ibra Diakhaté qui va relancer. Son latéral gauche devancé par Mohamed Sawane qui commet la faute. Aïdja Gaye, bon, il n'y a pas de FC. Zéro. Aïe Saloum, zéro. Et le centre va venir non contré par la défense rufiscoise. En l'occurrence, Pape Momodou Sow. Mais le ballon a été touché par l'attaquant de l'AS Saloum. Et c'est Baye Hassan Cisse qui va jouer avec Cheikh Tidiane Sidibé contré toujours. Aïe Jamogi Nonou. Tengue Jeff C. Aïe Saloum 0-0. Gaï. Pour les pronostic. Voilà aussi Ngel Wahnu Fangé de cette année Matchimi. Et c'est Paul Valère qui va récupérer une talonnade sur Papi Boy. Papi Boy, la frappe qui passe. Ah là là, la frappe a été un peu dévisée, dévissée de Papi Boy. Aïe Jamongi Nono, Ahmadou Bambakan taclé par Ibrahim Diaye. Et c'est Wilan Mohamed qui va récupérer cette faute. Ibrahim Diaye est couché. Ibrahim Diaye, le capitaine. Et un peu blessé. Aïe Jagaï, moi non, vous faites qu'il y a un problème dimanche. Je sais que si c'est un réglage direct sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, vous allez faire qualité d'image, vous allez faire haute qualité. Alors, parfois, c'est une image qui est l'air. Non, vous allez comprendre, vous allez faire haute qualité d'image. Nous allons en résolution 4K. Aïe Jagaï, il y a un bureau. Damsis, moi depuis Texas, aux États-Unis. Pour soutenir quelle équipe de Tengue FC ou l'AS Saloum. Gaay bolé ñu waxé fini de cette année match bi aussi da ngay ñu wax cette équipe ngeen jox ñu sen pronostic entre Saloum tayji ak Tengue FC. Babacar Wad néné mo ngi au bureau. Ay ta gaay do len liggéey de cette année match bi ñu len kay jox live and direct et c'est une tête de Mohamed. C'est Pape Momodou Sow, mais l'arbitre avait signalé. Aïcha Abdou Boy, Nene Mongi, Badeuse TV. Gaï Mongi, non, nous avons sen pronostic. Gen wax entre AS Saloum et Tengue FC. Quand nous avons gagné, petit gosse,
néna mo ngi ba Maroc ko wa Maroc ñoo ngi leen di ziar di leen jox sen waccu way et c'est un coup franco va observer le temps de vous retrouver dans les commentaires. Aïcha, ça va venir un coup franc de l'AS Alouma, mais un joueur des Verts est tombé. Le temps de reprendre les commentaires avec Domi Réou Minéna Moguignibi. Wa yexi lak jam inshallah bo mané jaar estad nga jaar inshallah Aïcha Serigne Mori Dia aussi gay yeen ñep wa kaza ñom dam 6 ñong leen di jox sen waccu way cha fay neena 3-0 la teungej FC Dor Aïcha bon pronostic mo ngi nonu bu cha fay mu ne ñetti bal ci dara le équipe bi di teungej wara dabali waay salum ye et on va observer ce coup franc avec Mohamed Bilan qui va se charger de ce coup franc bien centré la tête de qui une tête de du défenseur non défenseur très costaud. Et Ousmane Diouf à la lutte. L'AS Saloum qui joue sans complexe. Et l'AS Saloum n'a pas peur de jouer son football. Ahmadou Bambakan derrière avec Ousmane Diouf. Ousmane Diouf a déjà le balbi Djokko Baïs. Hassan Sis pour dégager Moudjem Sikan. Ousseynou Boy le ron khol mais défenseur. Salum bi dañu vigilant ñoy continuer jouer ak Malikou Ndoy mu jouer ko ci bop bi dégagé par Ousmane Diouf ay ci mo ngi nonu Abdoulaye Ndiaye mo ngi depuis lepp gi Babacar Ndiaye wa Espagne hola Buenos Tardes wa Ocas nenañ Salum lañu faral et c'est Paul Valère qui va récupérer quoi un coup franc Paul Valère Bassen, le valeureux. Paul Valère. Rachi Valera. Ça, c'est Paul Valère Bassen. Toujours 0 but partout entre le Tengue FC et l'équipe de l'AS Saloum. On joue à la 18e minute de jeu ici au stade Ngalandou Diouf. Aïcha Abdouaziz Ndoyer nous signale que le défenseur de l'AS Saloum a évolué avec l'équipe de l'ASEC Ndargoundaou. Il s'appelle Serigne Saliou Sonko et il a évolué aussi ici au stade Ngalandou Diouf avec l'ASEC Ndargoundaou. ASEC Ndargoundaou ñoo nekk ci ginnaw stade bi fi Aïcha mo ngi non merci les gars pour les commentaires. Merci aussi wa Nicosia Ibrahima Touré né Tengej FC moi d'or 3-0 et c'est Malikou Ndoy qui va tirer ce coup franc. Ah là là là, le poteau qui empêche le Tengue FC d'ouvrir le score sur cette magnifique frappe de Malikou Ndoy et c'est Ibrahima Ndiaye qui va récupérer et jouer au milieu de terrain. La AS Saloum qui tente de conserver la balle après ce chaud alerte de Malikou Ndoy qui a frappé le coup franc sur le poteau. Aïcha Mongi Nono, Ibra Touré depuis Nicosie, Soumadjou Moul Mongi Nek Chypre. Aïcha les Chypriotes, on vous passe
le salam, et c'est le latéral Thior qui va jouer avec qui Malick Ndoye, costaud dans la défense, va récupérer cette balle et jouer avec Sawané. Sawané contrôle et joue avec Elhadji Moukhtar au balle qui le redonne à Paul Valère. PVB Valère, aïe aïe aïe, le contrôle comme dans son salon de Mamadou Seck a été heureusement récupéré par la défense des Rufiscoa. Et l'Académie Foot Agnam, partenaire du Tengue FC, prédit une victoire de 2-0 avec un doublé de Paul Valère Bassen. Aïcha Gaye, vous voulez faire abonner aussi sur TFC Média. Vous activer la notification, la cloche de notification. Vous avez lancé direct. Vous avez fait un peu de temps pour nous avec l'équipe de la vieille ville. Et c'est un dégagement récupéré par la défense, en l'occurrence Sonko. Et Ibrahim Ndiaye qui se tord de douleur sur ce dégagement. Mais l'arbitre laisse jouer avec Thior. Omar Thior, c'est le numéro 7 et latéral gauche de cette équipe de l'AS Saloum. Aïcha Mongi Nonou. Pinta Mongi signalé aussi. Mais le Kaga Sport est mené par HLM de Dakar sur le score de 1-0. Ici au Stade Ngalonou Diouf, on reste sur le score de 0-0 en ce début de match. Et Momo Sarr, Nena Saloum Moïdor, Nyari Balchidara. Momo Sarr. Wa tengej buñ la déggé génn la direct bi. Ay jo gay ya ba légui ya benn bi dugagul Malick Ndoye mo door benn balla ci transversali astaghfirullah si poto bi tengej mo naron dugal LI6 Aïcha Gaye Azel Modor Demba Diop FC sur le score de 2-0. Première heure bi, deuxième heure bi nak Tengej moy Jakarlo fi ak AS Saloum. Et c'est Malick Ndoye qui va relancer cette partie avec Pape Mamadou Sow. Pape Mamadou Sow qui va jouer avec qui il va chercher Amadou Bambakane, mais il y avait la défense de cette équipe. L'AS Saloum et Sawané qui va récupérer. Sawané, il va frapper. Mais la frappe n'est pas cadrée. Aïcha Mongi Nonou Gaye Balegi 0-0 entre l'AS Saloum et l'équipe du Tengej FC. Aïcha, dégagement de Diakhaté sur la tête de Mamadou Sow, récupéré par Valère. Valère qui a reçu une semelle. Mais l'arbitre laisse jouer avec Papi Boy. Papi Boy qui va obtenir un coup franc.
Aïdja Malikou Ndoye moy jox Sawane porte arrière dello Mamadou Seck. Mamadou Seck lu muy def day jox Sidy Bé, mais Sidy Bé n'a pas reçu la bonne information. Dégagement de Ibra Diakhaté sur la tête. Récupéré par Eladji Moutarou Baldé. Aïcha, voilà, là, le contrôle manqué de moi, de Ousseynou Boy. Papi Boy. Dégagement, le contrôle manqué de Sidy Bé récupéré par Pape Mamadou Sow. Mon long calbal bi mu jëm ci Mohamed Sawane. Sawane lu muy def day té wot wagn ci ginnaw mu jëm ci Sidy Bé. Sidy Bé centré à pied droit mu jëm ci Eladji Moutarou Baldé. Ah là là, il y avait un bon coup à jouer sur ce centre de Cheikh Tidiane Sidy Bé. Aïcha toujours, Eladji Moutarou Baldé. Mokoy Diop, Paul Valère Diop, Papi Boy, mais il y avait une bonne défense encore une fois de l'AS Saloum. La relance de Serigne Salou Sonko et derrière Ibra Diakhaté va jouer, mais le ballon a été récupéré par Sidy Bé qui le met en touche. Aïcha grand déchet moi non. Mam ay waxu xar lay wax jégan mal bu mag bi mo nara door Saloum ñetti bal ci dara lool moy tekki ne Tengej FC la jox ndam 3-0. Aïcha toujours Mamadou Bou Diouf qui va frapper. Aïcha Arona Mané on refuse quoi à Saloum à Kaoulak. Aïcha Ahmadou Bambakan pour jouer. Ahmadou Bambakan va jouer cette rentrée de touche sur Ousmane Diouf avec Pape Mamadou Sow qui joue au milieu avant la talonnade de Valère sur Sawane, une petite louche, non. Il va conserver. Aïe. Il y avait une belle talonnade de Paul Valère Bassène. Paul Valère, il est en confiance. Paul Valère, il est en forme. Et Paul Valère régale cette saison avec le Tengej FC. Aïcha les Gambiens avec Ibrahim Sayan, Mohamed Sawane will score. Nena mom moy le team manager am the team manager of Tandeling FC. Je vous rappelle que Mohamed Sawane est passé par cette équipe du Tandeling FC en Gambie avant de faire une petite fige avec le Fortune FC et signé ici à Rufisque avec le Tengej FC. Mohamed Sawane, un très bon joueur. Et c'est Cheikh Tidiane Sidy Bé qui va se charger de ce coup franc. Sidy Bé, aïe. Il y avait Ibra Diakhaté
qui s'est déployé les ailes pour mettre la balle en corner. Siribé, un très bon joueur, il avait délivré une passe décisive à Paul Valère Bassen lors de la victoire en championnat le week-end dernier contre Bourg Petite Côte. Alessandre va venir avec Eladji Moutarou Baldé, dévié de la tête par la défense de la Saloum. Une récupération de Saloum avec de l'autre côté sur Thor. Omar Thor qui va jouer avec son homologue Sané, l'excentré qui va centrer. Récupéré par Ouspap Mamoudou Sow avec Mamoudou Sek. Sek avec Valère. Valère n'avait pas vu le récupérateur de Saloum. Saloum est toujours Ousseynou Boy qui va jouer avec son capitaine Eladji Moutarou Baldé. Eladji Moutarou Baldé de l'autre côté avec Pap Mamoudou Sow qui va jouer avec qui? On joue court derrière avec Malik Ndoye. Malik Ndoye sur Ousmane Diouf. Ousmane Diouf avec Sek Mamoudou qui contrôle et joue tranquillement avec Pap Mamoudou Sow. Pap Mamoudou Sow va changer le jeu sur Eladji Moutarou Baldé qui n'est pas hors jeu. Tegal nako Paul Valère. Paul Lumoidef Day Khagna Lala. Ya 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 Paul Valère Bassen. Il est valeureux, Paul Valère, Rachid Valera. Ça, c'est Paul Valère en langue des hauts valériens. Aïe, bon, nous avons gagné, de chercher la faille. Côté Tengue Dieff, c'est un corner qui va venir avec Mohamed Sawane. Sawane, le Gambien, il va le faire comme à Djambar. Il va le centrer, Sawane. Il y avait une tête d'Omar Thor récupérée par Bambakan qui va frapper. Aïe, aïe, aïe. La frappe a été déviée. Et il y a quoi? Un corner. Et si c'était les reporters de la RTS, ils vont nous dire un recorner. Corner ngay am fofu ak Mohamed Sawane. Ay jo benen corner ak Sawane mu jox ko kan ci bop kan Sawane la tête de ki Valère. Ah la la Rachi Valera tay jallul la Paul Valère Bassen qui était monté haut mais malheureusement sa tête a été mal ajustée et c'est un 5m50 voilà 6m. Et toujours Paul Valère qui va récupérer. Valère avec Baldé Moutarou. Baldé Moutarou le centre en mouvement. Aïe 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 aïe. Le Tengue Dieff qui pousse mais le Tengue Dieff ne parvient pas à ouvrir le score devant cette belle défense de Saloum. Omar Thor qui a joué derrière, dégagé de la tête par Pap Mamoudou Sow. La récupération de l'autre Mamoudou. Cette fois-ci, Sek qui va jouer avec Ousseynou Boy. Papi qui va décaler sur Valère. Valère, il va le récupérer. Non, il y avait un tacle du capitaine Ibra Ndiaye. Mais Ibra Ndiaye est blessé. Il va se relever, Ibra. Ibra, non, il est blessé. Il force depuis le début du match. Et Valère va jouer. Va jouer Valère. Amadou Bambakan va frapper. Et Ibra Ndiaye, le capitaine de l'AS Saloum, qui demande. Il demande pas un changement. Aïe, Jagaï, moi, il n'y a pas. Salifa Diop de la Sec Ndarkoundaoua. Il est là. Mais le Tengue FC Moïdor, Ben Balchidara. Inch'Allah, Salifa. Et Ibra Ndiaye, le numéro 4. Et capitaine de l'AS Saloum est blessé. Il est blessé. Le capitaine, le vaillant capitaine de Saloum Saloumye.
Aïcha mo ngi nonou gaay man ngeen continuer di ñu jox sen position ngeen wax ñu fo indi sétane match bi Aïcha on salue de passage notre ami Grand Dieu Diouf mom mo ngi ci mbaru xari tay ñewul stade ak bëgg larum ay jëm mo ngi nonu gaay salumi dañuy def changement parce que sen capitaine Ibrahim Ndiaye va malheureusement céder sa place à Pierre Herman Nzale va prendre la place de Ibrahim Ndiaye. Ibrahim Ndiaye, capitaine de l'AS Saloum, il était blessé en début de match, mais il a tout fait pour résister. Malheureusement, le capitaine était blessé, ne peut pas continuer avec ses partenaires. Aïcha Pape Demba borom régie bi tay mo ngi tiwawan dekk bu sel bi sa tiwawan delo nañ len ziar bi yak GP le droniste et c'est le centre qui va venir avec Sidi Bé à la tête. Il y avait une tête. Et Saloum. Et c'est Omar Thior qui va se dégager. Va Saloum. Baye Hassan Cisse ou Jom, de contrôler, dégager. Aïe, ouais, Baye Hassan Cisse. Baye Hassan Cisse, n'a pas 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 Aïe Saloum ñoy dégagé. Récupéré par le Tengue FC avec Mamoudou Seck. Bambakan day décalé ci Eladji Moutarou Baldé jël ko délo ko ki di Mamoudou Seck. Mamoudou lu muy def day xaj mu jëm ci Valère jox ko ci digg bi ñu contré ko. Aïcha wa Saloum ñoy jouer. Ñom dañuy récupérer Persat Tengue FC jël jouer ak Valère. Mais ça passe pas toujours, il y avait une bonne défense. Et toujours les Rufusquois qui tentent. Ah là là. Le ballon est sorti. Aïcha Bambakan a récupéré un coup franc. Bambakan a pris la place au Boudjabi. Goudjabi xamna dañ koy noppal que depuis son retour il fait d'excellents matchs Bakary Goudjabi et c'est Papy Boy en position illicite signale le juge assistant en occurrence Mohamedou Lamine Diop du CRA de Thiès qui a signalé une position de hors-jeu de Ousseynou Boy Papy Boy. Aïcha gaay mo ngi nonu 0-0 voilà 39 minutes de jeu entre l'AS Saloum et le Tengue FC pour cette 16e de finale de la Coupe du Sénégal et c'est Ahmadou Bambakan qui va jouer avec Sidibé avec Sawane mais passe bi dialul AS Saloum ñoy récupérer doxal ci digg bi ak bou ala la. L'arbitre estime que Bou Diouf, le numéro 10 de l'équipe des Saloum a été percuté de manière irrégulière par Pape Mamoudou Sow. Récupération de Omar Thior devancé
par Ousmane Diouf qui récupère avec Paul Valère. Paul Valère lumuy def day jëm ci kanam. Paul Valère ci kanam la xam. Valère Valère day xouss. Valère day xouss Diall. Mais il y avait une défense qui a commis la faute sur Valère. Aïcho Ousmane Diouf change jeu bi mu jëm ci Sidy Bé. Sidy Bé day contrôle poitrine mu jëm ci kanamam mu def ben centre. Mu def ben centre mu jëm ci kan sur la tête de Baïzal qui a sauvé les meubles sur ce coup. Et c'est Sané qui va récupérer la faute intelligemment pour l'équipe. Pour l'équipe de l'AS Saloum. Ay ci wa Saloum ñom nenañ ndam lañu andi avec Victory Gang. Ay ci c'est le défenseur de l'AS Saloum en occurrence Baïzal qui va relancer cette partie de l'autre côté. Sidy Bé gagné, battu dans le duel mais va récupérer un coup franc. Rapidement joué par Pape Momodou Sow. Sow le mouille d'Ep. Il joue avec Valère. Valère Diok, Papi Boy, Papi Boy défié pour Ninja, mais il va perdre la balle. Mais c'est Sidy Bé qui va complètement changer le jeu sur Ahmadou Bambakan. Sidy Bé, il est dans une bonne dynamique, cher Tidiane Sidy Bé. Et la belle passe de Ousmane Diouf sur Papi Boy, qui se déjoue de la défense. Aïe, 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 Valère. Valère qui a manqué sa frappe. Et c'est pas Momodou Sow qui va jouer toujours avec Valère Bassen. Valère avec Ousseynou. Ousseynou avec Momodou Sow qui ne trouve personne. Aïcha Gaï. Moi, je suis venu à essayer AS Saloum. Je suis venu à essayer de faire ça. Je suis venu à essayer de faire. Contrôle d'Ahmadou Bambakan sur Ousseynou Boy à la lutte avec Baïzal. Valère qui récupère et Valère va récupérer la faute. Et c'est une bonne occasion pour Sidy Bé qui va venir se charger de ce coup franc, cher Tidiane Sidy Bé. Toujours le score est de 0-8 partout. Aïe gaay Cheikh Tidiane Sidy Bé moy ñew tiré coup franc pour le Tengej FC. Cheikh Tidiane Sidy Bé, que va-t-il faire? Et Sidy Bé directement. Aïe 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 aïe, Radja Khaté
sur la trajectoire de ce ballon, le gardien de l'AS Saloum. Aïe aïe aïe, quel bon tireur ce cher Tidiane Sidibé. Il est précieux dans les coups de pied arrêtés. Le latéral qui a récemment été convoqué avec l'équipe nationale locale, et c'est le centre de Sawané sur la tête de Malik Ndoino à ce gardien Ibra Diakhaté. Il est bon. Et il y a 4 minutes de temps additionnel à jouer avant la fin de cette première période. Sur cette opposition entre le Tengue FC et l'équipe de l'AS Saloum de Kaolack. Et le capitaine, le brassard de capitaine est revenu. Le brassard de capitaine est cette fois-ci revenu à l'âge Malik Sané ou Mohamed Dien depuis la sortie de Ibrahim Ndiaye, le capitaine de l'AS Saloum. Et c'est une talonnade sur Sidibé qui va être récupérée par la défense. Je suis un peu plus grand. Il est bon le gardien de cette équipe de Saloum. Et c'est Ousseynou Boye qui va essayer de jouer tranquillement avec Mamadou Seck. Mamadou Seck a été devancé. Mais là, Saloum va récupérer un coup franc sur une faute de main de Malik Ndoye. L'occasion est de entre Tengej FC et Saloum. Saloum n'a pas une belle occasion. Tirer ou nous, nous sommes en train de nous faire. Pour le match de série, nous avons cette équipe, cette goal. Nous avons fait un tir au but. Mais Tengej FC n'est pas une bonne chose. Avec Malik Ndoye qui va relancer ses pas sur Elhadji Moutar, Baldé va replier en centre. Aïe. Une gâchis. Sur cette belle ouverture de Malik Ndoye, Elhadji Moutar, Baldé a hésité d'abord de contrôler. Puis il a centré, mais son centre a été un peu molle. Malheureusement. Pour les jaunes et noirs, Rufisqua, Aïdja Paul Valère va commettre la faute, une faute technique que Paul Valère a commis et Paul Valère va écoper un carton jaune. Aïdja Paul 0-0, 4 minutes de temps additionnel, il est mouillé. Buñ tiré coup franc bi arbitre bi da fay tas match bi ñu dem noppalu fukki minute ak ñëwaat jéxal match bi parce que tay quoi qu'il en soit ben équipe moy jall ben équipe moy dem 8e de finale. On nous signale en même temps que le Casa est mené par HLM de Dakar. Et c'est Mohamed Dien qui va changer le jeu de l'autre côté. Et on sent va venir dévier par Sawané. Et c'est la fin de cette première période entre l'AS Saloum. Le score reste nul et vierge entre les deux équipes qui vont aller se rafraîchir dans les vestiaires
car aujourd'hui il fait un peu chaud ici au stade Ngalane Diouf. Ay ci moongi nonu gaay lolou mo fi jotta am ci premier patch match entre Tengej FC ak équipe bi di Al Saloum. Dañoo tempo gul ken dugalagul sama rom 0-0 lañ def. Tengej FC ño am ñaari occasion wala ñatt sax ñaari goal bi genn ko benn bi dal ci photo bi. Benn bi dal ci photo bi lolou mo jotta am fi ci stade Ngalane Diouf no ngi len di jox dig dajé neskis. Ñu dekk ak yeen ci ñaarelu patch match bi entre Al Saloum et l'équipe bi Tengej FC. Aïe gars, la partie reprend ici au stade Ngalane Diouf entre l'AS Saloum et le Tengej FC. Toujours le score est nul et vierge, 0 but partout. Tengej nak ak Saloum ñoy ñew ci sen ñaarelu patch. Ñaari équipe yi dañoo tempo gol papi boy mo nara am première occasion non Ibra Diakhaté le gardien de cette équipe de l'AS Saloum toujours présent comme lors de la première période. Le gardien. Aïe gars, il y a un balai 0 but partout entre les deux équipes. Le Tengej FC qui est dépossédé du ballon avec ce dégagement de Baïzal récupéré de la poitrine par Cheikh Tidiane Sidibé. Il y avait une bonne défense de Saloum mais le ballon n'a pas tardé dans les pieds des Verts récupéré par Valère. Valère, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, estime l'arbitre. Pas Bouang et Meng. C'est un Mengen, l'arbitre de cette partie, Wangé.
estime qu'il n'y avait pas grand-chose sur cette action de Paul Valère Bassène. Aïcha, il y avait une petite collision entre Mohamed Sawane une blessure du Gambien Sawane. Espérons qu'il va bientôt reprendre ses esprits, le Gambien. L'ancien joueur du Tandeling FC en Gambie. Tandeling FC. Une équipe où Sawane est passé avant de jouer quelques matchs avec Fortuna FC et puis signer ici avec le Tengue FC. 0 but partout, toujours au stade. Aïcha, mon ami Ada est là, Adondoy, depuis les États-Unis. Les États-Unis ont l'air d'Iziara, Dylan Djokh. C'est un good afternoon. Voilà, il y a un good morning. On est ici, morning. Nous allons good morning. Aïcha TFC, AS Saloum, toujours le score reste nul et vierge. Et on vient de reprendre la. Seconde période. Aïcha, Gaï, Pao Saloum, il y a une autre caméra. On est beaucoup. On est là à Rufisque. Saloum, Saloum. Saloum, Saloum, yé. Aïcha Gaï, wa États-Unis, on est ici 10h du matin. Nous sommes ici à 17h52. Ici, c'est le stade de Diouf. Aïcha Gaye mo ngi nonou AS Saloum ak Tengej FC Sawane mo gañu mom moy genn nonou 0 but partout entre les deux équipes et Mohamed Sawane qui a reçu un choc va céder ses coéquipiers malheureusement comme le montre les images et c'est une relance avec une déviation, récupération de Paul Valère, non. Et c'est l'AS Saloum qui va tenter de profiter de cette infériorité numérique du Tengue FC. Mais Bambakan est là pour récupérer. Bambakan Day Djokh, Moumoudou Seck, mon dégagé. Aïcha toujours Bou Diouf. Contrôler mon opo Malik Ndoye protéger Baye Assane génné djël bal bi Aïcha Gaye mo ngi nonou AS Saloum 0 Tengue FC 0. On est à la 50e minute de jeu et Mohamed Sawane va céder sa place à Malik Ndoye Beugn. La passe manquée de Ousseynou Boy. Aïcha Ibra Diakhaté moy djel bal bi djox ko
Bou Diouf devancé par Malikou Ndoye Aladji Moutarou Balde délo ko ci défense mu jëm ci Mamadou Sow ku muy sét gisul ken da fay jox bal bi Aladji Moutarou Balde mu jouer ak Malikou Ndoye mi remplacer Sawané gaay ma ngi len di fatali né Sawané dafa blessé motax Thierry Malikou Ndoye bagn mo jël place am et Malikou Ndoye avait marqué le deuxième but du Tengue FC contre ay ca moongi noonu ay Saloum ñooy dem en attaque avec Bou Diouf contré par Pamou Moursaou qui va se dégager mais c'est Ousmane Diouf qui a sauvé les meubles sur cette attaque. Laye Saloum qui commence à venir chercher les Rubiscois dans leur zone de confort de la première période parce que Laye Saloum était sur la défensive en première mi-temps. Et c'est Sidy Bé qui va s'amener cette balle et s'entrer à... Il a raté son centre, Cheikh Tidiane Sidy Bé. Et c'est une récupération de Laye Saloum. Non, c'est Malikou Ndoye Beugn qui va récupérer cette balle. Beugn, que va-t-il faire? Il va s'inviter dans la défense. Aïe, 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 il a été un peu lent, Malikou Ndoye. L'ancien joueur de Tchaoulène en Nawetane. Il a joué avec Tchaoulène. Malikou Ndoye Beugn Aïcha Papi Boy moi def ce sans ballon malheureusement Pa Saloum ñoy dégager balle bi mu jëm ci Baye Hassan jouer ak Pape Mamadou Sow jox ko sek Mamadou da doon chercher Sidy Bé mais Sidy Bé dafa wagné ko won ñibisi ay défenseur cette fois-ci c'est Ibra Diakhaté de l'autre côté qui va dégager sur une tête de Ousmane Diouf. Et Baye Hassan. Il n'est pas concentré Baye Hassan. Mais il va récupérer cette balle. Apparemment le match est un peu facile pour lui parce que là Saloum n'a pas eu d'occasion franche. Lors de la première période. Mais sur cette seconde période, les Kaoulakois vont venir chercher les Rubiscois. Et c'est Ousmane Diouf qui va dégager, récupéré par Aladji Moutarou Balde de magnifique contrôle, mais malheureusement personne n'avait suivi. Il jaillit et récupère la balle sur Papi Boy. Papi Boy qui va jouer avec Bambakane, mais il y avait une faute de main. Aïcha mo ngi nonu Bou Diouf moy récupéré jox ci digg bi ak kanna Papi Boy day jël bal bi jox ko Malikou Ndoye bagn lu muy def day décalé mu jëm ci Sidy Bé il est là il va récupérer cette balle Sidy Bé le tackle va venir une récupération belle couverture de la défense de la Saloum. Malikou Ndoye Beugn décale sur Sow qui est monté aux avant-postes. Aïe aïe aïe, le centre manqué de Sow profite à Ibra Diakhaté qui va changer complètement le jeu. Mais malheureusement, son dégagement ne trouve pas Eladji Malick Sané, l'autre excentré
de l'équipe coachée par Mustapha Seck. Aïtia Paul Valère a beaucoup de chance, il a nous contrer. Ah là là, sur cette phase de jeu, les joueurs ne sont pas entendus. Aïtia Ousmane Diouf à la lutte avec Sané. Ousmane Diouf qui commet la faute. Et le centre va venir. Aïe aïe aïe, c'était Mohamed Dien, le capitaine, qui a pris le brassard depuis la sortie de Ibra Ndiaye, blessé lui aussi. On vous signale que Ibra Ndiaye, le défenseur de AS Saloum, est sorti sur blessure, de même que Mohamed Sawane, le Gambien, qui a laissé ses coéquipiers à la 50e minute de jeu sur une commotion. Collision entre lui et la défense de l'AS Saloum. Mohamed Sawane a perdu les esprits. Et Mohamed Sawane, on espère qu'il va bien se rétablir. Parce que le Gambien est précieux dans l'entrejeu du Tengej FC. Aïcha Papi Boy est un peu blessé. Papi Boy qui avait marqué un but somptueux lors du week-end dernier contre l'équipe de Mbour Petite Côte. C'est l'AS Saloum qui va relancer cette partie. Aïcha Mangi Nono, AS Saloum ne récupère Abou Diouf. On décalé dans la défense. On joue arrière droit, mais Bassidi Bé. Il devance Aïcha Gaye, le Tengej FC depuis la sortie de Sawane a perdu le contrôle de la balle. Parce que le Gambien, c'est lui qui était le dépositaire du jeu. Et c'est Papi Boy devancé par Baïzal qui a dégagé. Comme il le faisait en Nawetan avec l'équipe de Ndargondaw. Aïcha Sow moy jox Sidibé toujours derrière avec Sow Mamadou. Pa Mamadou Sow joué ak Malikou wagnewat mu jëm ci Bayassane 6. Lu muy def da fay dégager mu jëm ci Ousseynou Boy qui se bat. Ousseynou Boy qui récupère la touche. Aïcha Zorou Saloumi dañuy rayat temps.
Le jeu reprend avec Pamou Mourisso qui joue avec Marik Ndoye Begne. Sow day def bu guddu mu jëm ci Baldé. Ah là là, la remise manquée de la Jumoutaru Baldé. Balé pas manqué ce coup Baldé, il y avait une opportunité là-dedans. Et c'est Mamadou Seck qui va jouer avec Valère. Valère va-t-il nous sortir? Aïcho Malik Ndoye avec Ousmane Diouf, Tenguej FC, ñoo ngi temporiser, Paul construire, défar, Bambakan récupérer, lu muy def, day def centre bobu baxna, la tête de Malik, aïe 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 aïe. Oh là là, Malik Ndoye Begne qui a manqué de rabattre cette tête, qui a manqué de se matcher sa tête sur ce magnifique centre de Ahmadou Bambakan qui était monté aux avant-postes. Gaye Begne mo don nara dugal. Sur un magnifique centre d'Ahmadou Bambakan. Aïe mo ngi nonou dañuy changer complètement du jeu bi mu jëm ci Sidy Bé. Mais Sidy Bé day récupérer coup franc. Gaay wa ay salum to dal nañ ci terrain bi pour gratter des minutes parce que salum yi dafa melni dañu bëgg yobbu match bi ci tir au but lolu mo len di arranger. Aïe gaay gis ngeen légui né Malik Ndoye mo manqué mbeuk mu neex bu ko Bambakan central lolay waral né Tenguej FC ñogi commencer retrouver wat parce que sawone mo fi nekkon don def meneur après dafa mbeukenté ak ben milieu terrain bu AS Saloum après ci le génné depuis lors Teng Saloum dañu secoué won di jema attaquer mais apparemment Tenguej FC tégat na tank ci bal bi pour dougal bi den di libéré. Tay match bi dafa metti Valère de la tête sans danger pour Ibra Diakhaté qui va relancer avec Omar Thior jox nako Sané lu muy def. Sané c'est un bon joueur mais Malik Ndoye avait bien suivi Begne. Papi Boy dégal nañ ko bal bi mu jëm ci kanam Papi Boy tay Khouss Diall Mamadou Seck récupérer jox Valère bu su duggé mu neex Valère ay ce centre de Paul Valère Bassène n'avait pas trouvé preneur et c'est pas Mamadou Sow qui va récupérer pour le Tenguej FC. Mamadou Sow day jëm ci kanam centré ay le Tenguej FC s'est réveillé. Ça c'est le réveil des Rubis quoi. Avec Malik Ndoye Begne qui est là sur Sidy Bé qui va centrer. Sidy Bé quoi jouer avec Moutarou qui remet là facilement. Et Diakhaté. Marti bi neex da gay Begne lu muy def. Ah bah Begne. Fallait contrôler Malik Ndoye. Ay ja gay bi baangi xegn entre Tenguej FC ak AS Saloum. Tenguej FC mo ngi pousser, Tenguej FC mo ngi attaquer. Mais malheureusement bal bi neena du dugugul legui. Il y avait quelque chose à jouer avec Valère qui avait bien centré sur ce coup. Aïcho dégagé.
pu récupérer par Sidi Bé contré par son coéquipier Mamadou Seck. Ay ci Malick Doye bañ day jëm ci kanam jox Papi Boy Papi Boy Papi Boy dafa hors jeu. Aïe aïe aïe, il y avait une position illicite à signaler. Le deuxième juge assistant Ousseynou Oumane. Et la relance une porte sur Malick Doye debout Boudjouf. Aïcha toujours, ça continue de jouer avec l'AS Saloum qui récupère cette fois-ci avec Mohamed Dien. Mohamed Dien qui s'est défait de la défense, mais Bou Diouf n'a pas bien récupéré la passe. Et ça continue de jouer avec Baya Sansis qui va dévier cette tête. Ousmane Diouf avec Bambakan. Bambakan a voulu le jouer devant, mais Baïzal avait bien suivi et il a dégagé sur Bou Diouf. Baya Sansis récupère. Et Malick Doye qui va venir s'incruster dans la défense de l'AS Saloum. Le jeu est un peu décousu. L'équipe est coupée en deux, mais il y a un bon jaillissement de Seck Mamadou. Seck Mamadou toujours qui joue sur Bambakan. Ah là là, il est hors jeu Mohamed Dian. Il est hors jeu le capitaine de l'AS Saloum. Et toujours ça joue avec Sidi Bé. Sidi Bé avec Malick Doye. Bogne. Il va centrer au deuxième poteau avec Bambakan. Le contrôle magnifique de Bambakan. La frappe. Aïe aïe aïe. Ibra Diakhaté, le meilleur joueur de l'AS Saloum dans cette partie. Et toujours, l'arbitre n'est pas revenu sur cette faute. Et on continue de jouer avec deux joueurs de l'AS Saloum à terre. Aïe gars, Coupe du Sénégal, il y a un boulet. Amoul équipe nationale, amoul équipe Ligue 1, amoul équipe Ligue 2. Parce que au football, ñaari 11 ñoo koy def. Il faut être discipliné tactiquement et marquer ses occasions. Et on nous signale que la SCHLM de Dakar est en train de faire la sensation du côté de Jiguinchor en menant au score. D'après Hassan Ndiaye en commentaire. C'est quand même impressionnant ce que peuvent faire ces équipes de national. Et effectivement, les HLM de Dakar sont devant l'équipe du Casa Sport sur le score de 3 buts à 2. Aïe fini, Sistan Galano Diouf Tengej FC à Saloum. Nous avons 0-0 Tengej FC qui a tenté. Aïe Saloum Tobin Nyongi Tahaou de jouer avec des contres. Aïe Sidi Bé de récupérer. Waouh, Diom Tchikanam Sidi Bé, Louis Def, Nechous, Diallo Dour. Aïe aïe aïe, le centre. Il n'y avait personne pour réceptionner ce centre de Cheikh Tidiane Sidi Bé. Et là, Moutarou Baldé en mouvement sur Papi Boy. Il n'y a personne. Sinon, un joueur de l'AS Saloum
qui va récupérer et jouer avec le capitaine Mohamed Dien. Mohamed Dien contré par Malick Boye Bagn. Malick da fay xouss jëm ci kanam Bagn day récupérer coup franc intelligemment joué. Aïe gars, il y a FCM qui pousse pour Google le premier but de libérer l'équipe. Mais derrière, il y a une bonne défense et un bon gardien, un très bon gardien du côté de l'AS Saloum. En l'occurrence, Ibra Diakhaté qui est en train de jouer des sales tours aux attaques des Rufisquois. Aïdja Gaye Bagn, il fait une bonne rentrée. Il a eu une occasion très franche, mais malheureusement, il n'a pas pu ajuster ou réajuster sa tête pour ouvrir le score. Et Cheikh Tidiane Sidibé va tenter sur ce coup franc de délivrer une passe décisive à ses coéquipiers. Cheikh Tidiane Sidibé, Bagn, aïe aïe aïe, Bagn. Il l'a joué de manière trop légère. Aïe aïe aïe. Il y avait quelque chose à jouer sur ce centre. Avec délicatesse de Cheikh Tidiane Sidibé. La relance de l'autre côté avec une récupération d'Ahmadou Bambakan qui va obtenir quelque chose. Effectivement, un coup franc qu'Ahmadou Bambakan a pu récupérer. Et c'est Malick Ndoye qui va jouer avec Pape Mamoudou Sow. Pape Mamoudou Sow avec Malick Ndoye Bagn. Cette fois-ci, Sow qui joue avec Bagn. Bagn, que va-t-il faire? Il va aller devant, provoquer. Et jouer avec Valère, ah, Valère qui manque son contrôle. Toujours l'AS Saloum bien défensivement continue de poser cette équation à résoudre pour le Tengej FC. Aïe aïe aïe, une récupération de Sidibé. Sidibé contré va récupérer la touche. Il est dans son match, Sidibé. Aïe 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 aïe, pas mon morceau contré. Il y a un danger, mais il y a Mamoudou Seck qui a sauvé ses coéquipiers avec Ahmadou Bambakan qui va changer le jeu sur Cheikh Tidiane Sidibé. Il y a quelque chose à jouer sur ce coup. Sidibé, Sidibé, Sidibé qui se perd dans ses dribbles, Cheikh Tidiane Sidibé. Et l'arbitre laisse jouer, il y a une faute estime. L'arbitre du match. Le match est compliqué pour le Tengej FC. Qui est en face d'une bonne défense de l'équipe kaolakoise amenée par Moustapha Seck. Papi Boy Moy Diop qui dit Valère, Valère et Valère qui va récupérer un coup franc. Le match est très compliqué. Car les joueurs de l'AS Saloum sont bien organisés dans la défensive. Ils
Ils ont mis en 3-5-2 depuis le début du match et ça fonctionne bien avec les mouvements. Malgré la sortie de leur capitaine, le défenseur Ibra Ndiaye, il y a un autre joueur qui a craqué et il va céder sa place. C'est Youssouf Badji. Youssouf Badji va être remplacé. Par Abdourahmane Diop. C'est le deuxième changement de l'équipe de l'AS Saloum après la sortie sur blessure du capitaine Ibra Ndiaye, remplacé par Nzalé. Et Abdourahmane Diop va prendre la place. Et toujours le jeu va continuer. Non, Willan pense pouvoir retrouver ses coéquipiers. Sidy Bé lancé, il y a une belle sortie. Ibra Diakhaté qui va jouer avec Willan. Abdourahmane Diop va patienter parce que Willan a retrouvé ses coéquipiers. Il a dit au médecin qu'il est apte à jouer cette fin de match. Et c'est Mohamed Dien, le capitaine, qui a voulu chercher Sané, mais il a été devancé par Elhadji Moutar Baldé qui va jouer avec Ibra Fall Diakhaté. Ibra Fall Diakhaté qui se dégage. Amadou Bambakan qui récupère le Tengue FC qui se cherche avec Valère qui dévie sur Malick Ndoye. Malick Ndoye avec Cheikh Tidiane Sidy Bé dans l'intervalle. Sidy Bé da fay centrer ñu contrer ko bu am corner. Avec le corner, là il donne avec Cheikh Tidiane Sidy Bé. Et apparemment, Pa Ousmane Gueye va. Et bien sûr, Willan blessé et sorti, remplacé par Abdourahmane Diop du côté de l'AS Saloum. Et le Tengue FC va procéder à un second changement avec Pa Ousmane Gueye, le Gambien, qui n'avait plus joué depuis son but contre Diambar. Ousmane Gueye qui va retrouver la compétition. Mamadou Seck est blessé et va céder sa place à Pa Ousmane Gueye. Blessure de Ibori parce que SMB a enchaîné match. Joué mercredi, Coupe du Sénégal, samedi, il a joué championnat. Golon Ambok contre Diambar. Nous voyons ce qu'il fait avec ce centre de Sidy Bé. Aïe aïe aïe, personne n'est venu à la réception de ce centre. Et Sidy Bé qui va perdre la balle récupérée par Ahmadou Bambakan. Ahmadou Bambakan qui va jouer derrière avec Bayatar Cisse. Bayasen 6 qui a joué loin et avait trouvé Baizal et c'est une récupération toujours des joueurs
Là, c'est Saloum qui se dégage. Ballon récupéré par Sané et il y a une faute pour l'équipe de l'AS Saloum. Ousmane Diouf qui va chercher Papi Boy, mais il y a une bonne tête de la défense de l'AS Saloum. Le Tengue FC continue de pousser, mais il est face à une bonne défense de l'AS Saloum qui ne fléchit pas. Et c'est Paul Valère qui va tenter de régler la situation. Valère, il va jouer avec Malick Ndoye Beugne. Beugne, que va-t-il faire? Beugne, il tergiverse et joue avec Bamba. Bamba va centrer, mais il n'y a personne. L'animation offensive est un peu trop pauvre. Et c'est Elhadji Moutarou Baldé qui a failli trouver Ousseynou Boy Papi. Et Ousmane Diouf, très engagé. Beaucoup trop engagé, Ousmane Diouf. Il reste 5 minutes à jouer dans cette seconde période entre le Tengue FC et l'AS Saloum. Et la tête de Sidy B récupérée par Baye Hassan Sy. Baye Hassan Sy qui va se dégager, une déviation de Valère, non, il y a une tête. Et Kaolakwa qui vont récupérer le cuir. Aïdja, toujours l'AS Saloum qui continue de résister à ce dégagement. Aïdja, Ousseynou Boy qui va récupérer cette balle et jouer avec Malick Ndoye. Non, il a préféré temporiser sur Valère. Valère qui a touché la balle en dernier lieu. Et c'est une sortie en 5m50 pour le Tengue FC. Dégagement de Ibra Diakhaté, la tête de Paosman Gueye. Paosman Gueye qui va récupérer un coup franc parce qu'il a été percuté de plein fouet par Aïdja Gaye bu jexé fi dañuy dem prolongation avant ñoo dem tir au but.
Pas Mamoudou Sow qui centre Valère, la tête de Valère qui va finir en touche pour l'AS Saloum. Et la touche d'Abdourahmane Diop sur la tête de Malick Ndoye qui joue. Malick Ndoye taclé, va récupérer un coup franc. Aïcha Gaye, coup franc bon, intéressant le Tengue de Am avant la fin de ces 90 minutes. Puis, bon, quand vous allez dans gagner le match, c'est une occasion à concrétiser avec qui cher Tidiane Sidibé. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire, Sidibé? Avec Mohamed Dien qui fait la balle récupérée par Abdourahmane Diop qui a centré. Motaro Baldé avait bien suivi. Baldé de Djel Djokan. Pab Mamoudou Sow. Avec Malick Ndoye moi récupéré Djok Paul Valère. Paul Valère. Paul Valère avec Ousmane Gueye. Pas Ousmane Gueye avec Malick Ndoye. Malick Ndoye avec Valère, Valère qui se bat, pas Ousmane Gueye toujours, pas Ousmane Gueye. Aïe aïe aïe, il y avait quelque chose à jouer. Paul Valère qui a récupéré sur Malick Ndoye. Malick Ndoye, il a quelque chose à jouer. Bogne, que va-t-il faire? Bogne. Aïe, 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 aïe. Il n'y avait rien du tout, estime l'arbitre du match. Et Malick Ndoye qui va récupérer avec Ahmadou Bambakan. Bambakan. Aïcha Pab Mamoudou Sow moi joué. Pab Mamoudou Sow qui va récupérer un coup franc. L'arbitre qui revient sur la faute et il a donné 5 minutes de temps additionnel avant les prolongations. 5 minutes à jouer pour les deux équipes. Abdourahmane Diop contré par Sidibé. Sidibé qui passe,
Sidibé, que va-t-il faire? Sidibé, il y a beaucoup à jouer, Sidibé. Et Sidibé, Sidibé, Sidibé taclé. Aïe, 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 aïe. Quel gâchis de la part du latéral Cheikh Tidiane Sidibé. Et là, El Saaloum qui tient le coup et qui va sans nul doute ramener l'équipe champion 2019 de la Coupe du Sénégal vers les prolongations. Aïe, Cheikh Tidiane Sidibé au premier poteau. Légèrement dévié par Papi Boy. Malindo, il y avait une position de hors-jeu signalée par Pabu Ngemeng, l'arbitre du match. Taï, défense AS Saaloum, d'ailleurs, t'as au thème, mais ça n'aura pas ça. Ça ne passera pas. Ça n'aura pas sera. Et la stratégie amenée par l'équipe de l'AS Saaloum. Et Rendarou Diallo avec Ibra Diakhaté. Un bon gardien qui a sauvé trois occasions du Tengue FC lors de la première période. Aïe, Paul Valère, le Mouiref, le Dengue FC qui continue de pousser avec Valère sur Bambakan. Bambakan va décaler de l'autre côté avec Cheikh Tidiane Sidibé. Sidibé en mouvement sur qui personne. Aïe, 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 l'attaque n'a pas suivi. Et Malik Ndoye Bagne. Ah là 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 là. Il était hors-jeu en plus, Malik Ndoye Bagne. Et Ousmane Diouf qui remet dans le paquet avec Ousseynou Boy. Valère qui récupère. Valère, il faut le donner à Ousseynou. Valère qui frappe. Aïe, 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 on tacle. Oh là là, Paul Valère a été taclé de manière régulière par le défenseur de l'équipe de Niambour. On continue de jouer avec Valère et l'arbitre qui va revenir sur cette faute. La dernière occasion du match est là. La DER est là avant les prolongations. Si le Dengue FC marque ce coup franc, le Dengue FC se qualifie en 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Et si le Dengue FC rate ce coup franc, ils vont jouer 30 minutes supplémentaires. 30 minutes. Pour ensuite revenir le week-end contre Diaraf. Diaraf, je vous rappelle, a été éliminé de la Coupe du Sénégal. Ils n'ont pas joué en milieu de semaine. En milieu de semaine, le Diaraf n'a pas joué donc. Et le Diaraf va recevoir à Ibamar l'équipe du Tengue FC. La Coupe du Sénégal d'après Métis, équipe nationale. Ak ibul ligne ken manul sama rom da ngay xex rek ba genn ci
Paul Valère mo ngi sopp Paul Valère warul gañu vu la saison qu'il est en train d'accomplir Malick Ndoy moy door coup franc bi sank door nako ci photo bi ñu xol tay nak da koy duggal ci tiahi Malick Ndoy on va observer ce coup franc de Malick Ndoy Malick Ndoy Malick Ndoy aïe 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 c'était molle cette frappe récupérée par Ousseynou Boye il faut rapidement le mettre dans le paquet parce qu'il a le match va se terminer Malick Ndoy la poitrine Malick Ndoy aïe 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 ah là là on va encore supporter 30 minutes de plus dans ce match entre l'AS Alloum et l'équipe du Tengue FC. Le score est de 0 but partout. Et on va encore assister à 30 minutes supplémentaires pour connaître l'équipe qui va se qualifier en 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Je vous rappelle, le Tengue FC avait remporté la Coupe du Sénégal en 2019 sur un but de Boubacar Sall. Bouba, actuellement du côté du Maroc, il avait libéré le Tengue pour son premier sacre au stade Lader Diathiès. C'était un match contre l'US Gorée. La saison dernière, le Casasport avait remporté la Coupe du Sénégal. Le Casasport tenant du titre est actuellement tenu en échec 3 buts partout par les HLM de Dakar. Le Casasport avait frôlé à l'élimination, mais heureusement pour les Casassés, ils ont pu égaliser. Aïcha Gaï, 0 but partout entre l'AS Alloum et le Tengue FC. Après 92 minutes, Youssoufa Dabo n'a pas pu résoudre l'équation posée par le tacticien Mustapha Seck qui a orchestré une très bonne défense à 3 qui s'est sortie grâce à qui s'en est sorti du moins grâce à un très bon gardien en l'occurrence Ibra Diakhaté. Qui a été le meilleur homme de ces 90 minutes. Il a sorti trois occasions. Il y a une occasion où la barre transversale l'a sauvé. Et on assistera à 30 minutes supplémentaires dans ce match entre le Tengue FC et l'AS Alloum.
Aïcha Gaye, match bi day tambali wat fi ci stade Ngalane Diouf entre l'AS Saloum et le Tengue FC. On va jouer 30 minutes supplémentaires pour connaître le vainqueur de ces 16e de finale de la Coupe du Sénégal. El Hadji Moutarou Baldé va jouer avec Ahmadou Bambakan. Bamba va replier avec Malick Ndoye Beugn. Que va-t-il faire? Il va donner à Ousmane Diouf qui va changer complètement le jeu sur Cheikh Tidiane Sidibé. Sidibé, que va-t-il faire? Il fallait décaler de l'autre côté Cheikh Tidiane Sidibé. Mais heureusement, pas Ousmane Gueye va récupérer cette balle. Pas Ousmane Gueye a joué perso lui aussi. Et c'est une faute de Ousmane Diouf sur Bou Diouf. Aïcha Gaye 0-0, 0 but partout entre l'AS Saloum et le Tengue FC. Merci Bouba. Aïcha Baye Hassan 6, day capté balle bi relancé. Mu jam ci Ousseynou Boye mu dévié non. Gaye, tactiquement l'équipe de l'AS Saloum est bien organisée depuis le début de la partie. Cependant, côté Tengue FC, il manque une présence offensive. Dañu déssé yek ci kaw. Et toujours l'AS Saloum qui continue de déjouer les plans du Tengue FC avec une récupération de Sani qui se bat et joue derrière. Et Baïzal, l'ancien joueur de la SEC Ndargoundaou, qui est là. Et Malick Ndoye va récupérer tranquillement. Non, il a été devancé. Et c'est l'attaquant. Et là, j'ai Malick Sani. Aïcha mo ngi nonu gaay ay Saloum ñoy am coup franc bu placé war ko door. Et c'est Baïzal qui va tenter
il y a Baïzal, il y a Boudjouf. Et il y a aussi Omar Thior qui sont devant cette balle-là. Et c'est Boua Diouf qui a tiré cette balle au-dessus de la barre de Bayassam Siss. Ah, le chauffement du côté de Tanguy FC, on aperçoit Thierry Diakhaté et Mohamed Soli. Et la relance de Bayassam Siss sur Malick Ndoye. Malick Ndoye, il va se lamaner. Malick Ndoye, aïe, sans conviction sur ce coup, Bogne. Et toujours Ousmane Diouf derrière Bayassam Siss. Il est bien sorti Bayassam et il va récupérer la touche. Aïcha Mogi non Pabi Boy moi récupéré mais Baïzal d'accord devant c'est Djelbal bi jox ko Omar Thior. Omar mu jox ci ginnaw ñu jouer avec cette adonade d'Abdourahmane Diop sur Mohamed Dian, mais l'arbitre estime qu'il y avait une faute de la part de Rubiscoa. Djagaï Bolégi 0-0, c'est Omar Thior qui va relancer de l'autre côté. Et le dégagement de Pape Mamoudou Sow qui va mourir en touche. Une nouvelle récupération de Baïzal du côté de l'AS Saloum et Malick Ndoye. Il perd la balle récupérée par Pamou Mourousseau qui s'est battu et qui va récupérer cette possession avec Cheikh Tidiane Sidibé devant. Cheikh Tidiane Sidibé est devant. Il y a un dégagement toujours du défenseur de l'AS Saloum. Et Paul Valère va récupérer et jouer en deux temps avec Pabibo et la frappe de Paul Valère. Aïe. La frappe de Paul Valère Bassène ne trouve pas le cadre. Djagaï ba légui 0-0 entre Tanguy FC ak AS Saloum. Tanguy FC mongi poussé, Tanguy FC mongi chercher ay situation, mais Tanguy FC ba légui manul dévoruer verrou défensive bu AS Saloum.
ay ca gaay papi boy moy centré Le centre va venir avec Sidibé, Sidibé, aïe 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 aïe, pas Ousmane Gueye. Dommage pour les Rufus quoi. Ousmane Gueye qui jaillit et récupère. Et c'est Paul Valère Bassène qui va jouer avec Ousmane Gueye. Paul Valère qui se bat. Et Paul Valère va récupérer un coup franc. Paul Valère Bassène. L'infatigable. Cheikh Tidiane Sidibé qui va exécuter ce coup franc. Il faut tout mettre dans cette occasion d'ouvrir le score. Sidibé, Sidibé malheureusement ne va pas cadrer cette balle. Avec la récupération de l'AS Saloum. L'AS Saloum qui se bat toujours avec Omar Thior. Omar Thior qui va récupérer. C'est Malick Ndoye qui va jouer avec Papi Boy. Papi Boy, il est émoussé. Aïe aïe aïe, toujours le Tengue FC. Le jeu est décousu. Première période de la prolongation. Et les 15 premières minutes vont bientôt s'épuiser. Et Paul Valère, Day Khatch, Djom Tikanam, Paul Valère récupère Wat Koufran. Aïe gars, coup franc lui donne pour Tengue FC. Et c'est voilà la Malick Ndoye bagne. Il a mal tiré ce coup franc.
Ahmadou Bambakane qui a lancé Elhadji Moutarou Baldé. Un score à ouvrir sur ce coup de Elhadji Moutarou Baldé. Ah là là, et le centre va venir avec Didi Bé, la tête de qui Ousseynou Boy, non, Ibra Diakhaté, il est exceptionnel le gardien de cette équipe de l'AS Salon. Il va tenter de gratter quelques minutes. Le ballon refuse de rentrer dans les cages d'Ibra Diakhaté. Malheureusement. Et c'est terminé dans cette première période de la prolongation. On va encore attendre 15 minutes de plus pour savoir le score final, car les deux équipes font match nul 0 partout. La seconde période de la prolongation va reprendre avec le Tengue FC. Tengue FC 0, AS Salum 0. Nous avons signé le match. Il y a eu une prolongation au match parce que nous avons 0-0 après 90 minutes. L'arbitre de le match est de nous avons eu une prolongation. Nous avons eu une prolongation pour que nous avons eu un match.
l'arbitre va siffler une faute pour le Tengue FC. Ay jagaay ñoy ñan fokk da bo génné ben défenseur duggal ben attaquant parce que bo xolé match bi bu mo commencé ba légui Mustapha Seck il maîtrise bien ses sujets, il maîtrise bien son sujet du moins Mustapha Seck il a amené une défense vraiment compacte avec trois derrière et depuis le Tengue FC joue avec deux attaquants en l'occurrence Valère et Papi Boy et ce n'est pas suffisant pour casser le verrou défensif de cette équipe de l'AS Saloum. Lolo tax gaay né nañ fokk ñu am benen attaquant ci kaw et je vous rappelle que seul Mohamed Soli est attaquant. Restant dans le banc de Tengue FC car Mandoumbe Wade et Abdoulaye Kano ne sont pas aujourd'hui dans la feuille de match. Ay ci mo ngi nonu gaay Tengue FC 0 AS Saloum 0. Avec Paul Valère Bassène qui va prendre cette balle. Et toujours Amadou Bambakan a trouvé. Aïe, le tacle appuyé. Va profiter à une sortie en 5m50 pour l'AS Saloum. Aïe, les gars, c'est dur pour les rugbyistes. Mais il faut se battre. Parce qu'il reste pratiquement 14 minutes avant de terminer ce match. Toujours Ousmane Gaye à la lutte. Ballon récupéré par Pambakan. Pambakan toujours. Pambakan Fauché va récupérer un coup franc. Aïcha Gaye Balegui 0-0 entre Tengue FC et l'AS Saloum. Ousmane Gaye dans la défense de l'AS Saloum va jouer avec Balde Moutarou au deuxième poteau avec Papi Boy. Une bonne sortie de Ibra Diakhaté. Et le dégagement de Ibra Diakhaté sur la tête de Malik Ndoye récupéré par Faye Hassan 6.
Aïcho corner tiré par Mohamed Dien, dévié de la tête par Malick Ndoye. Là, Saloum qui reste à 4 derrière avec cette frappe qui va sortir en 5m50. La bonne relance de Pape Mamour Sow sur Papi Boy. Malick Ndoye bogn le deux temps. Ah là là, Malick Ndoye. Et toujours Paul Valère. Paul Valère qui va se battre. Paul Valère qui va centrer malheureusement. Il est fatigué, Valère. Récupération des joueurs de l'AS Saloum avec le capitaine Mohamed Diop qui joue sur Abdourahmane. Malick Ndoye qui s'est battu. Et il manque toujours de présence offensive côté Tungej FC. Il n'y a rien qui est proposé au niveau de l'attaque de Rufiscoa. Depuis la sortie de Mohamed Sawane, l'équipe a manqué. Le contrôle et la gestion de son match. Et c'est Papi Boy qui a été battu dans le duel. Les joueurs de l'AS Saloum vont récupérer un coup franc sur une faute carrément inutile de Cheikh Tidiane Sidibé. Aïcha Mongi nonou gaay tengej moy jelat balbi pa Mamadou Sow jël ko jox ko Sidibé. Sidibé dello ko ci ginnaw ak Pape Mamadou Sow. C'est difficile mais il faut tenir avec Valère. Valère qui le rabat sur Pa Ousmane Gaye lu muy def day def bugu dum jëm ci Papi Boy. Aïe aïe aïe, le contrôle de la poitrine manqué mais Baye Zal mo koy devancer jël balbi. Bagn day xex, aïe aïe aïe, bagn va commettre la faute. Aïe tchagaï, c'est difficile aujourd'hui, c'est dur. Un nouvel changement pour l'équipe de l'AS Saloum avec Boudjouf qui a été bon depuis le début du match, qui va céder sa place à Moussa Sima. Moussa Sima mom xana rakou Abdallah Sima la. Moussa Sima va faire sa rentrée du côté de l'AS Saloum. L'AS Saloum qui va tenter d'attaquer dans ses dernières minutes du match et tuer les espoirs. Peut-être tuer les espoirs. Aïcha Mongi nonou, AS Saloum dougal nañu sen attaquant Dabo Nene day tontu tactiquement ki di Mustapha Seck avec Mohamed Soli. Ah là là, Malick Ndoye bagn, il a pas reçu l'information mais Pa Ousmane Gaye il est là. Le gaillard gambien s'est battu, il va récupérer. Pa Ousmane, il se bat toujours. Il est costaud Ousmane. Ousmane, aïe aïe aïe, l'arbitre laisse jouer avec Ousmane Diouf qui récupère sur Elhadji Moutarou Baldé. Baldé avec Ahmadou Bambakan. Ahmadou Bambakan qui s'est cherché des problèmes mais il a trouvé la solution. Papi Boy. Papi Boy va récupérer un coup franc mais les Saloum
nenañ toujours sa nara passera adu dial ay dabo va amener une réponse tactique à Mustapha Seck dans les derniers instants du match avec une nouvelle rentrée de qui c'est une rentrée de Mohamed Soli et de et là Jumoutaro Baldé va céder sa place à Mohamed Soli. Et toujours Mohamed Soli pour son... Et toujours Mohamed Soli qui a l'occasion d'ouvrir ça. Aïe. Soli Kopena Yalwangi et ça joue avec Abdourahmane Diop. Mais Baba Zidane était présent de l'autre côté. Malik Ndoye. Aïcho Gaye Mogi Nono, Papi Boy, moi il change de vie. Et c'est une récupération de la part de Rufus Kwa avec Ahmadou Bambakan qui a lancé Soli. Soli. Et Baba Zidane. Baba Zidane qui va jouer avec qui? Il va jouer derrière. Il a cherché à Bawa Mamadou Sow. Mamadou va décaler sur Siribe. Avec Bogn Malik ou Siribe qui s'est battu, mais Siribe ne va rien récupérer. On laisse jouer avec Ousmane Diouf, battu dans le duel par Sima, ou plutôt Sané. Sané qui a récupéré la faute pour les Saloum Saloum. Ah les gars, c'est dur. C'est très dur pour le Tengue FC. Et offensivement aujourd'hui, il n'y a pas eu de solution offensive aujourd'hui. Malheureusement pour les Espoirs, ils sont tenus à domicile par les... joueur de l'AS Saloum de Kaolack, 0 buts partout, depuis 16h. On est presque à 19h et ça continue avec ce 0-0. Et Sima, le nouvel entrant, c'est pas Abdallah Sima, mais Moussa Sima. Aïcha, Faf, Mamadou Sow, moi j'ai le balbi, Djokko, Malik Ndoye Bogn. Aïe, Bogn va manquer son contrôle orienté, dégagé par la défense de l'AS Saloum. Il reste combien de minutes à jouer? 2 petites minutes pour le Tengue FC. 2 minutes. Pour ouvrir ce score ou aller au tir au but.
Aïcho, le dégagement récupéré par la défense toujours des Kaolakwa avec une nouvelle récupération de Rubiskwa. Bambakan lance Sidibé. Sidibé se faufile. Sidibé. Aïe. Pourquoi il se complique la tâche? Joue simple Sidibé. Ce match est malheureusement terminé. On va voir combien de minutes va nous donner l'arbitre de ce match. Et c'est une faute. On laisse jouer avec Marungoy qui dévie sur Sori. Dégagement encore une fois. Comme une partie de ping-pong. C'est terminé ici au stade Ngalane Diouf. Le Tengue FC est tenu en échec par l'AS Saloum. Et le Tengue FC va devoir se départir de cette équipe lors de la séance fatidique des tirs au but. Aïe gaay mo ngi nonu Tengue FC 0 AS Saloum 0 dañuy ñew nak dem ci tiro bi ñu xol AS Saloum ak Tengue FC kan moy gagné inshallah rabbi 0-0 la match bi jéxé wa Saloum tay dañu ñew tek défense bu baax jouer avec leurs moyens et le Tengue FC n'a pas pu résoudre l'équation défensive posée par Mustapha Seck. Malheureusement Youssoufa Dabo aujourd'hui n'a pas voulu prendre de risques. Et on nous signale aussi que le Casa Sport s'est qualifié lors de la séance des tirs au but. Ce qui prouve que les équipes de la nationale n'ont rien à envier aux équipes de la Ligue 1 parce que HLM de Dakar est une équipe qui évolue en nationale. Ils ont tenu en échec l'équipe du Casa Sport chez elle sur le score de 3 buts partout. Le Casa a égalisé dans les toutes derniers instants du match par l'intermédiaire de Lamine Jarjou. Je vous rappelle aussi que Agel de Rufusque a gagné 2-0 devant Demba Diop FC de Mbour. Et dans ce match entre l'équipe de l'AS Saloum et du Tengue FC, on va se départager lors de ces séances fatidiques de tirs au but. Gaay lol mo fi jappandi entre Tengue FC ak AS Saloum 0-0 lañu def gannaaw ba Tengue FC defé première mi-temps bu baax am ay occasion malgré le verrou défensif de l'AS Saloum. Saloum dañu ñëw deuxième mi-temps taxaway bu baax ne len nak bi do len am occasion Tengue FC dañu manqué animation offensive. Malheureusement pour eux ah.
ay ca gaay moongi non duñu tardé jëm ci série tiro bi wi Tengej FC ak AS Saloum ñoy jëm tiro bi AS Saloum nak sen gardien bi woné na fi lu mëna japp ay penalty parce qu'il a fait un match exceptionnel le gardien Ibra Diakhaté. Ay ca moongi nonu gaay ñu dem ci tiro bi entre Tengej FC ak AS Saloum. AS Saloum Tengej FC ñoy dem jamarlo ci tek dori tek dor penalty ñu xol kuy gagné. Gaay ñong ñuy signaler aussi kak génération foot aussi tiro bi la gagné RS Yoff tay équipe nationale sonal nañ équipe Ligue 1 yi Kada Sport équipe nationale moko sonal ñu dem 3 buts partout et ça se voit que équipe nationale bu ñëwé dañuy tek défense bu dëgër. Ay ca Malick Ndoye moy avancer jëm ci bal bi lu muy def devant Ibra Diakhaté. Malick Ndoye day raté bal bi. Ibra Diakhaté qui sort une parade sur ce tir sans conviction de Malick Ndoye. Ay ca moongi nonu wa Saloum ñoo war a teg door. AS Saloum, ils vont tenter de marquer leur premier tir au but avec Omar Thior. Omar Thior va s'avancer. Que va faire Omar Thior devant Baye Hassan Siss? Omar Thior va tirer, Omar Thior va marquer pour les Saloum Saloum. 1-0 dans ces tirs au but pour l'équipe de l'AS Saloum. Deuxième tir des Rufiscois avec Pa Ousmane Gaye le Gambien qui va venir remettre les pendules à l'heure ou forcer l'avantage pour l'équipe de l'AS Saloum. Wa Saloum nenañ dañu bëgg am ndam qualifié Saloum Saloum yé mo ngi nonu. Malick Ndoye raté na Pa Ousmane Gaye lu mu nara def day duggal wala day raté. Pa Ousmane Gaye le Gambien va s'avancer devant Ibra Diakhaté, un gardien d'envergure qui a sorti de belles parades durant la première période du match. Ay ca moongi nonu Pa Ousmane Gaye day door. Pa Ousmane Gaye day dougal wala day raté dougal nako. Une belle frappe bien croisée de Pa Ousmane Gaye. Ils ont un bon gardien, l'équipe de l'AS Saloum. Et c'est Sima, Moussa Sima, qui est rentré à la...
Aïcha, moi, je suis là. Moi, je suis là pour Dor, Balbia, pour AS Saloum. Aïcha Moussa Sima qui rate son tir. Et le Tengue Diassé revient à hauteur de cette équipe de l'AS Saloum. Saloum Dougal Nanyu Ben, raté Ben, Tengue Dougal Ben, raté Ben. Baba Zidane, Moïdem Dour pour Tengue Diassé. Aïcha, Babacar Diop, Baba Zidane va s'avancer à l'enfant de Rufisque. Il va le marquer. Baba Zidane qui a marqué. Qui a marqué son... son tir au but, Babacar Diop, Baba Zidane. Et de l'autre côté, les joueurs de l'AS Saloum vont tirer le troisième tir. Troisième tir au AS Saloum bi moy ñew da fay duggu wala daf koy raté. AS Saloum qui marque. Et c'était le milieu de terrain Serigne Saliou Mbaye qui a marqué ce tir pour les Saloum Saloum. Ay ci gaay bu fekké né da ngeen stressé nan len ndox wala ngeen ma ci sucre c'est bien pour la santé et ça va venir. Il faut pas se mettre une pression tir au but da ngay ñew tek chercher ben angle door que ak jom ak ful lo am nak nga xamné yalla la. Et c'est Ousmane Diouf, Antonio Rudiger qui va tirer. Antonio Rudiger, Ousmane Diouf va s'avancer. Le Mouidef, il a fait Google, voilà, il a raté. L'on a dit qu'il a une esquisse. C'est Aïsimili, Mouniaou Diakarlo et Ibra Diakhaté. Ousmane Diouf, l'ancien joueur du Casa Sport, va s'avancer. Il va tirer. Boumba! Et il va marquer. Aïcha Mongi non gaay tiro bibi tangej FC dougal na 3 AS Saloum dougal 2 AS Saloum nak buñu raté avantage tangej lay doon. Aïcha gaay togatuñu taxawatuñu match bi metti na ma ngi seen Adja moy tok sinen nenu wa wala nenu kay mais ça va venir, faut pas se stresser. Et c'est l'AS Saloum
ndax dañuy duggal wala dañuy raté ay salum ñoy dor ay salum dor nañu raté duguna demon na bay raté mu duggu li la waji nan xalam demon na bay neex bum gëna ciass dok ay je cheikh tidiane sidibe va tirer le 4e penalty du tengue fc essan yona bañu def 3-3 ñaari équipe yi ku nek dugal na gaay tit nañu ñen ngi ñongi yolé ko antaluñu pression bi ja gay sidibe moy deugmal jëm ci ibra jaxate japp na ben payatal 6 japp ben tangé dougal 3 salum dougal 3 tangé wara jëm door ñentelu penalty wam ak cheikh tidiane sidibe le gaucher il marque des coups francs un penalty serait pas difficile pour lui sidibe et Sidibe marque le 4e penalty du Tengue FC. Gaay yeen ngi deglu xala ya leer yoy ngi yeungal asar bi neexna Siri Bangi Jallaño Monga Jallaño Monga neex Ay jaay salum Ay dor avec Mohamed Dien le capitaine Ay ca Monga neex Waté ge jëm ka gëm Ay ca Monga nonu avec Mohamed Dian, le capitaine de l'AS Saloum qui va s'avancer. Il va tirer, aïe aïe aïe, il va marquer. Aïe, t'as cette date là. Cette date là. Mongi Wachiwat, si souf. Mongi Wachiwat. Là, il y a un peu de galifa. Mongi Wachiwat, Monga sa souf. Titat nañu Serigne Noir raté gagné 4-4 raté ñeu duggal gagné duggal ñeu raté gagné essa bi wuréw dem na keñ waxi mak fu muy dem Salum wala day dess te ngej ay Soli ki va tirer Mohamed Soli et il va marquer à toute sa voix Soli a marqué SITFC SI Abaya Sadna parvient à contrer à sortir une parade le Tengue FC est en 8e de finale ça a été une supplice et ça continue de l'être. Et les supporters du Alerio n'ont pas raté. Gaye Massibi Metina, si 4 heures volées guignons. C'est Abdourahman Diop, un nouvel entrant qui va venir peut-être soulager les Kaolakwa de la AS Saloum ou libérer le peuple rufisquois. Surate tengue day gaja Abdourahman Diop lu muy def day dougal wala day dougal ay ca benen pression moy ñewat
ak Malick Mboye bagn le refus quoi bagn un jeune joueur l'espoir de refus quoi repose entre les pieds de bagn Malick Mboye bagn moy ñew door 6ème penalty. Sixième penalty pour Tengage FC lay ñeu door Tengage FC Malick Mboye rek mo raté 7ème bi moy 7ème penalty Gaston dafa tit améwul 6ème ak 7ème et c'est Malick Mboye qui va le tirer bagn lu muy def day dougal ay ca ben mo ci res ga yaangi vivre ni di soné tun mo ngi metti melé mu jeex lu mu metti day jeex ça va se terminer ay ci gaay et c'est un refus quoi Baïzal qui a joué avec l'Ajax Ndargondaw qui va venir tirer ce penalty Baïzal le refus quoi qui met la pression Aïcha Day Dougou wala Day Raté Baïzal balle bi dafa wacc da koy jëlat tégat ko Aïcha gaay ci ngot ba légui ñogi fi metti wonna mais Baye Hassan bu jappé bi mu jeex et le Tengage FC est qualifié et c'est terminé c'était difficile c'était pratiquement stressant mais le Tengage FC remporte le tir au but le Tengage FC est qualifié en 8ème de finale de la Coupe du Sénégal après les tirs remportés 6 à 5. Les refus quoi l'ont fait. Les refus quoi s'en sont sortis. Les refus quoi vont devoir travailler sur tout l'aspect offensif parce qu'aujourd'hui c'était carrément une deuxième mi-temps. Je peux le dire, mais il faut l'aspect offensif et marquer les buts, guys. Ñoo ngi dem ba benen yoon parce que dañ leen di jox dig dajé inshallah samedi ba sub gaawo lañuy dem fessé ibamar inshallah jamarlo ak ASC Jaraf pour le compte de la 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise ay ci gaay merci beaucoup de votre attention c'était difficile mais vous avez tenu mais vous avez géré ay ci ñu bayiléen ak ambiance bi